Et bonjour les amis. Alors aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture du coffret Lucario V-Star avec les deux promos. Il y a la V-Star plus la Lucario V Full Art. On a la V-Star en jumbo et on a 5 boosters. On a deux boosters Star étincelante. On a un booster point de fusion et deux boosters voltage éclatant. On a le petit pins qui est magnifique, le logo V-Star là, ça sert pour les gens qui jouent, c'est pas mon cas. Et voilà pour ce coffret. Et en même temps, je vais vous ouvrir. Je vous avais déjà ouvert une des boîtes comme ceci, c'était la Guinfrex. Là, j'ai pris la Tiplou. Je lui ai dit, je prendrai uniquement celle qui m'intéresse. Ben, j'ai pris les deux qui m'intéressaient. Les trois autres, je les aime pas trop, mais peut-être je les prendrai uniquement pour les boosters. On verra. Mais en tout cas, ce qui m'intéressait, c'était ceci. Voilà. Donc, je vais commencer par ouvrir la petite boîte et on fera le coffret à la fin. Alors, dans la petite boîte, il y a le jeton Pikachu. Voilà. Alors, celui-là, il ira à la vente pour qui sera intéressé ou à l'échange, si vous avez d'autres jetons. Il y a la carte de type Plouf, qui est la même que sur la boîte. Voilà. Et comme vous pouvez voir ici, quand on prend dans chaque boîte, avec chaque illustration, il y a une carte et ça fait la fresque. J'ai déjà eu la Guinfrex. Maintenant, j'ai la Tiplouf. Donc, j'ai les deux premières. Ici, on a la description de Tiplouf avec son numéro du Pokédex, ce que c'est comme Pokémon, c'est un Pokémon pingouin, sa taille, son poids et ce qu'il fait. Voilà. Hop, voilà pour le. Et on a deux boosters. On a un point de fusion et un ténèbres embrasées. Alors, dans l'ouverture de la première boîte de Guinfrex, j'ai une très bonne carte. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir. Et là, on va faire point de fusion. On va commencer par point de fusion et je finirai par ténèbres embrasées. Alors, on va voir si j'ai eu autant de chance que j'ai eu la dernière fois sur ma. Ici, j'ai le code que je vous offre. Hop, voilà. Et on y va avec 1, 2, 3 et 4. Voilà. Hop, on zoome comme ça, vous verrez bien les cartes. Et une énergie électrique. On a un Boumata. Énergie point de fusion. Scoot. Bargantua. On a Laporeil. Lixi. Rototaupe. Chenipan. Enriver, on aura Coquillas. Et on aura. On a une ultra. Et on a Sucraine V. Bon. Eh bien, Sucraine V, je l'ai déjà. Donc, il ira à l'échange. Enfin, déjà, il ira à la vente. Et si quelqu'un veut m'échanger, il n'y a pas de souci. Vous m'envoyez un petit message et on se fait une petite échange. Mais je l'ai déjà. Dommage. Bon, c'est déjà bien, j'ai déjà une V. Mais la carte, je l'ai déjà. Voilà, on la protège. Je vous la montre d'un peu plus près. Bon, elle est sympathique, mais c'est pas forcément le Pokémon qui me botte de fou. Je préférerais dans Ténèbres embrasées, je veux le. J'ai ultra. J'aimerais bien avoir le Dracaufeu V Max. Alors, espérons peut-être avoir un peu de chance et d'avoir quelque chose. Ce serait pas mal. Allez. Tiens, il n'y a pas de code ici. Voilà, je le code. Ah, il n'y a pas de. Bah, ils n'ont pas mis de code dans ce booster. Ah bon. 1, 2, 3 et 4. Tiens. Bizarre. Il n'y a pas de code. Bon, ben bah, tant pis. Hein. De toute façon. Alors, énergie plante. On a volute de fumée. On a l'énergie chaleur. Reliquante. Sapeureau, Toxizap, Tefroi, on a Carabing, on a Meltan, en River, on a Rongrigou, ou encore une Ultra, ou Lucanon V, Lucanon V en Ultra. Alors, une très bonne boîte, on a eu deux V. Alors, Lucanon, je crois que je ne l'ai pas, je ne suis pas sûr, mais il me semble, parce que ça ne me dit rien. Si jamais je l'ai, ben, bien sûr, il finira
à la vente ou alors à l'échange pour qui veut être intéressé. Bon, c'est une très bonne boîte. J'ai bien fait de la prendre. J'ai hésité à les prendre. Je trouve que ces boîtes, elles sont assez chanceuses. Je suis très content. Un Lucanon V. Super. Bon, merci la petite boîte. Maintenant, on va passer à l'ouverture du coffret Lucario V-Star. Hop, on va sortir tout ça et je vous montre tout ça. Alors, les... Hop, ça. On va remettre comme ça. Voilà. Alors. Hop, les deux promos, tac, le code, tac, la jumbo, tac, le pins, le logo V-Star, ça je sais pas à quoi ça va me servir, mais je vais quand même le garder pour si jamais quelqu'un est intéressé. Hop, on ferme ça, on met ça là, et voilà. Alors, je vais vous montrer tout ça. Hop, les boosters, on les met là. Alors, on a le petit logo V-Star. Bon, ça, je sais pas. Ça, c'est pour les gens qui jouent au TCG en ligne. Enfin, pas au TCG en ligne, au TCG directement. Là, bon, c'est pas le cas. On a un très, 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 très beau pins. Lucario n'est pas forcément le Pokémon que j'aime, mais j'adore ce pins. Je trouve que les effets de, comme ça, de flamme et tout ça, je le trouve magnifique. Il est super beau. Vous pouvez voir que c'est un pins officiel. Ça ira dans ma collection de pins Pokémon. On a la Lucario V Full Art en promo, qui est la SWSH 213. Alors celle-là, on va la protéger tout de suite pour ne pas l'abîmer. C'est très important de protéger ses cartes. Je protège uniquement les ultras. Tout ce qui est reverse, tout le tralala, les autres, je ne les protège pas. Hein. Là, on a la Lucario V-Star, qui est magnifique aussi. Ça, c'est la 214. Voilà, elle ira dans mon petit classeur de promo. Je vous ferai une petite vidéo prochainement de mon classeur de promo, car j'en ai quand même pas mal. Ça, je pourrais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai en promo. Et voilà. Et voilà, les deux petites promos. On a la Jumbo, qui est la même que la Lucario V-Star, mais en jumbo. Vous pouvez voir la grandeur de cette carte. Voilà, magnifique. On a le code que je vous offre, c'est pour le coffret. Donc allez-y. Et dans les boosters, on a voltage éclatant, star étincelant, point de fusion et voltage éclatant. Alors je vais regarder star étincelant pour la fin. Je vais commencer par le voltage. Non, je vais commencer par point de fusion. Allez, point de fusion avec ectoplasma. On va voir si j'ai une bonne carte ou pas. S'il te plaît, une ultra que j'ai pas, ça serait pas mal parce que c'est bien gentil d'avoir des ultras, mais si c'est pas avoir celle que j'ai en double, c'est pas drôle. Là, il y a le... Hop là. Là, il y a le code. Voilà. Faites-vous plaisir. Hop, hop, hop. Alors, ici, on fait 1, 2, 3 et 4. Voilà. Pour mettre la rare et la reverse à la fin. Et on commence cette ouverture avec une énergie électrique. On a Flow tout temps. On a Scoot. Grondoudou. Miaouss. Maril. Là, on a Galvaran. Moumouton. Hop là. Tournicoton. En reverse, on aura Hermure. Et en rare, on aura Marakachi. Bon, une simple rare. Donc, rien du tout. Moi, je préférais avoir dans Star Étincelant des bonnes cartes. Et là, si je peux avoir le Pikachu, Pikachu Rainbow, là, ça serait super. Bon, là, ces boosters, ils déchirent comme du papier à lettres. Le code, il est là, je vous l'offre. Hop là, c'est peut-être que j'enlève le doigt, c'est mieux. Hop, 1, 2, 3 et 4. Allez, s'il vous plaît, une bonne carte. On y va avec une énergie. Co-confort.
Ramboum, Stade de Windscore, Poulpaf, Cabriolène, Polichombre, Grain dur, Statitique, en reverse on aura un Terrakium qui est une rare reverse, et en rare on aura, oh, une holo, Xerneas holo, pas mal, il me semble que je ne l'ai pas celle-là, donc c'est super, voilà, bon on va la mettre là, on récap. Allez, Astronel, dans Voltage éclatant, là j'aimerais bien avoir une bonne petite carte, une bonne petite holo, ultra, hop, le code il est là, allez-y, on fait 1, 2, 3 et 4, allez, allez, là on a une énergie métal, Picléron, Capoeira, Volcaropode, Ningal, Chuchemur, Rototope, Welmer, Doudouvet, en reverse, on a l'immonde de Galar. Et en rare, on aura une simple rare avec un Miasmax. Bon. Ben, rien du tout d'intéressant dans ce booster. Allez. On va garder le Farfaduvet pour la fin. Et je vais ouvrir le Arceus. Ou Arceus. Pour Star Étincelante. Allez. Donc, il est déchiré. On le jette. Alors, on va faire comme ça, parce que c'est vraiment vert. Et ce qui est embêtant avec cette nouvelle série, c'est qu'ils nous mettent le code qui nous dit si on a une ultra ou pas. C'est un peu embêtant, parce que c'est un code blanc, c'est-à-dire qu'il n'y a rien du tout. Ou alors, il y a peut-être une TG. Si c'est un code noir, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Alors, allez. Énergie, feu. Assurance échec, Luxio, Capoeira, Grimalin, Starry, Riolu, Étourmi, Crémy. En reverse, on aura un Polagriffe et un Boreas en rare. Bon, allez, Farfaduvet, au moins sauve cette ouverture parce que là, pour l'instant, juste une holo, on va pas aller loin avec ça. Hein. Hop, le code il est là, je vous l'offre, hop, et maintenant on fait 1, 2, 3 et 4, allez, dernière chance d'avoir quelque chose, une énergie psy, on a Gloria, Étourvol, René, Craquenois, Neuneuf, Étourmi, Balignon, on a un Tiplouf. En reverse, on aura Mustéboué. Et en rare, on aura eu une holo avec Noctunoir. Bon, et ben c'est le coffret des holos. Voilà. Voilà ce qu'on aura eu dans ce coffret. Deux holos. Bon, moi j'aime bien la Xerneas, donc ça va. Noctunoir, bon, bah, c'est pas forcément un Pokémon qui me plaît. Par contre, là, on a deux belles promos. La Lucario V Full Art et la V-Star, qui sont magnifiques. On aura eu le beau petit pins qui est magnifique, qui va aller s'ajouter à ma collection. Et voilà, et la jumbo pour ce coffret. Par contre, dans la petite boîte, la mini tin, on aura eu un Sucrène et un Lucanon V. Voilà. Bon, une ouverture plutôt sympathique. Je suis assez satisfait de ce que j'ai eu. Donc les amis, je vous invite à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à partager la vidéo. Si vous voulez faire un échange, car le Sucrène sera à l'échange, donc vous mettez un petit commentaire et je vous l'échangerai contre une autre V. Ou alors vous allez sur mon compte Rakuten qui est AlphaTut, A-L-F-A-T-U-T. Et là, elle sera en vente et vous pourrez me l'acheter si ça vous intéresse. Donc les amis, on se laisse ici et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis, ciao 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 ciao.